Salut à tous, c'est Sorator pour un nouvel épisode sur Undertale, sur PC. Alors on est reparti avec un animal bizarre qui ne me parle pas par défaut, ok. Ce chien se considère comme un artiste, mais il ne sait jamais ce qu'il crée. Enfin, quoi créer. Hein? Probablement que cela ne l'aide pas, que son cerveau et la taille... Ouais d'accord, son cerveau est tout rikiki, donc ça l'aide pas. Du Call of Duty ou du Minecraft, c'est pas prévu, donc... non. RIP. Ah non hein. Sans, qu'est-ce qui se passe? D'accord. C'est juste écrit Sense au marqueur en rouge. Papyrus de neige, ok. Bon, ça commence bien. Parce qu'on est d'accord que je dois pas marcher sur les croix. Parce qu'attendez. Ah non, faut tout valider au contraire. On n'est pas dans le caca. Ah, qu'est-ce qu'elle fait? Elle part en steak. C'est ce que je disais, le joystick des fois est un peu trop sensible. Oui, magnifique traduction, bah c'est pas très simple. Alors attendez, si je fais le tour, touk touk touk, non. Ah, peut-être si je pars de là. On va essayer, on verra. Hop. C'est plus simple au clavier, tu penses? Bah, le problème, moi, c'est que les croix directionnelles sont mal placées, en fait. Elles sont vraiment derrière le micro, donc... je préfère autant... faire comme ça. Là, on est bon, je crois. Ya! On a réussi! We did it! Salut, Mamadou. Soso, c'est facile. Voilà, c'est juste que j'avais pas regardé, l'orage. Tout va bien. On avait un chapeau en neige sur la tête. Un oiseau. What the fuck? Un chien? Mais what? Ils en ont combien des comme ça? Ah, ça revient, l'oiseau. Bon, on va peut-être arrêter. Le petit chien. Bon. Une niche. Qu'est-ce qu'on a par là? On a Sense. Je sais pas. Snowpuff, je sais pas ce que c'est, une boule de neige. Tiny, je sais pas ce que ça veut dire. Tiny. Ouf. Ah d'accord. Vis. D'accord. C'est encore un machin de neige. Apparemment, il n'y a que ça. Waf. Waf, il est moins mignon. Ah mon dieu, j'aurais dû aller voir Sense, je pense. Oh. Regardez-moi cette tronche. On va essayer de le check. Il est tellement excité qu'il pense combattre. Et qu'il pense que combattre n'est qu'un jeu. Ok. Il attend. Le caresser, je pense. Ah bon, on va jouer. Play. Il est pas assez excité pour jouer. Ah merde! Un coup il est. Ah, un coup il est bleu, un coup il est blanc. Bacon, je sais pas ce que ça veut dire. On va le caresser. Il est trop loin pour le caresser. J'ai juste caressé l'air. Merci le jeu. Hop. Hello Deep. On va essayer Bacon, je sais pas ce que ça veut dire. Je l'ai appelé. Il est venu. Flaking, slobber into... Qu'est-ce qu'il m'a mis dans la face? J'ai pas compris. Il cherche de l'affection. On peut le caresser maintenant.
Il s'est endormi. Après, il s'est réveillé. Il est si excité. D'accord, on va pouvoir jouer avec lui, là. Quoi? Pourquoi j'ai pris des dégâts? On va play. J'ai fait une boule de neige. Et je lui ai jeté. Elle s'est éclatée sur le sol. Ah, il a pris la neige et me l'a jetée. Ou me l'a rapportée. Oh, maintenant il est très fatigué. Il se repose à côté. Il se repose vachement, il est en train de m'attaquer encore. Il veut des TLC. What? Bacon, ça veut dire le faire approcher. Ok, ouais, je savais pas. Mais des TLC? TLC? Je sais pas ce qu'il veut. Ah! TLC? Qu'est-ce que tu veux, mon gars? J'ai pas compris. Help! TLC? Je sais pas ce qu'il veut. Attendez, je vais regarder. Ah, ça coupe à la musique. TLC. What the fuck? Transport en commun lyonnais, mais je m'en bats la race! C'est pas ce qu'il veut! Oh là là. Attendez. Anglais, on va mettre. Transport lyonnais SVP. Traduction anglais. Ça veut dire CCM. Tender, loving, care. Il veut que je lui montre de l'affection, c'est ça? Il veut que je le caresse encore? J'ai pas tout à fait saisi. J'ai l'air shooté. La fatigue. Bah, on va le caresser encore, hein, je sais pas. Comme tu l'as caressé. Quoi? Le poids sur moi, je comprends pas tout. Mes mouvements sont ralentis. Mais... tu ne l'as pas encore assez caressé. Ah! Calmos! Il est fou ce chien. Je le caresse encore. Ok. Calme-toi le chien. Calme-toi, ça va bien se passer. Il est content. On peut... Voilà. Nice. Oh mon dieu, ah, c'était ça, pète-le. Non mais le TLC, j'ai pas compris. En gros, il s'est couché sur moi, ouais, c'est pour ça que... J'étais alourdi, dirons-nous. Oh, mais... Il y a que le cul qui dépasse de l'armure, maintenant. Oh, c'est trop mignon. Alors, attendez, on va aller voir Sense en bas. J'ai l'impression que là, on avance trop. Ah, il est parti! Ah, ah là. Il y a des yeux. J'ai loupé un truc, c'est obligé. Ah! Qu'est-ce que c'est que ça? Check. Certains ados l'ont décoré. Ouais, mais j'ai plus de vie, mon gars. Ah, il veut plus qu'on lui mette quoi que ce soit. On va essayer de le décorer. Dédécorer. Ah non, mais je vais mourir. RIP-moi. Voilà. Merci. Oh mon dieu. Alors, soit faut que je lui mette davantage de trucs, soit faut que je lui enlève. Je ne sais pas. Dans quel sens il veut qu'on fasse. On va lui enlever ce qu'il a sur la tête. C'est un petit peu mieux. Ah! D'accord. Ok, il y avait des ailes de poulet. C'est un peu mieux. Quoi, c'est pas fini encore? Oh punaise. Ah, mais il avait encore un truc sur le front. Mais what? But spy égale tarte au cul. Quoi? T'es sérieux? My god. Un poids a été enlevé. Ah, c'est bon. Hop. Parfait.
Le seul que j'ai pas réussi à vaincre de cette manière, entre guillemets, c'est l'espèce de bonhomme de neige. Je l'ai. Je sais pas dans quel sens je vais. Ah! C'est une porte. D'accord. Un gâteau au beurre, en vrai, oui, c'est un peu mieux. Peut-être. C'est une porte. Et qu'est-ce qu'elle a, cette porte? Ce saut, t'as tellement ignoré ma blague. Orage, quelle blague. I have a bone. J'ai un os. Merci Fiasco pour cette blague. Mais on l'avait déjà fait, je crois, de toute façon. Mais ça, on avait pensé à Sid et pas à toi. Bon, bah, je sais pas. C'est fermé. J'active les champignons, je sais pas ce qui se passe. On va aller voir de l'autre côté, du coup. Du côté du chien. Ah, y a plus les trucs. Ah, si. Ok. Après, l'idéal, ce serait peut-être d'aller sauvegarder. Au final, j'ai pas vraiment eu besoin de. Du soin. Ah, une maison cette fois. Ça va changer, tiens. Hop. Après, ouais, les traductions sont un peu aléatoires. Je sais pas si excité c'est le meilleur terme par rapport à ce que nous on en dit. Enfin, si, un animal excité, c'est ça, c'est un animal qui veut jouer, enfin. Ah! Stop de partir en steak comme ça, toi. J'ai pas perdu de vie, c'est déjà ça. Mais j'ai fait une autre blague avec sens. Sans... Ah, j'ai pas compris. Merci, Fiasco. Bon, on va pouvoir passer là. Est-ce qu'il est. Non. Ça doit être plus grand à l'intérieur. Tu penses? Avançons. J'aime bien les ponts. Surtout ce genre de pont. Au sommet d'une montagne. Humain! C'est ton. Enfin, ton test final est le plus dangereux. Le gant de la mort. Non, c'était pas le gant de la mort. Et il y a le chien attaché, le pauvre. Quand je dis le mot, ce sera activé. Les canons vont tirer. Les lances vont être jetées. Et les épées vont tailler. J'invente un peu. C'est histoire de vous donner une idée. Alors, chaque partie. Oh. Ouais, donc tout va s'agiter violemment. Es-tu prêt? Parce que. Je. Suis. Sur le point de le faire. Bien. Qu'est-ce qui se passe? Attends! Quoi, attends? What? Je vais l'activer maintenant. Ça n'a pas l'air vraiment activé. Bien. On dirait que peut-être c'est trop facile. Attends. Maybe too easy to defeat the human move. Trop facile de détruire l'humain avec ça. Dark Frizzy. Merci mon gars. On ne peut pas utiliser celui-ci. Je suis un squelette avec des standards. Mes puzzles sont fair play. Et mes pièges bien préparés. Mais cette méthode est trop directe. Pas classe du tout. Donc, laisse tomber. D'accord, tout ça pour ça. Merci. Qu'est-ce que tu regardes? Ah là là. C'est une autre décisive victoire. Une victoire décisive pour moi. Nya. Hey. Merci. Je sais pas ce que mon frère va faire maintenant. Si j'étais toi. Je ferai en sorte de comprendre les attaques bleues, mais j'ai bien compris, les attaques bleues, on ne bouge pas. Bienvenue à Throwdin. Yeah. On peut pas ramasser la fleur. Tristitude. Oh, il y a même des magasins, mais bon. Tout est tellement bizarre dans ce jeu. Il y a magasin, hôtel.
Je peux lui vendre des trucs. Alors, tout ça, c'est ce que j'ai déjà. Si je prends ça... de quoi ça? Des abs? Des abdos? What? À l'huile, à l'eau... Ah oui, oh là là. À l'eau, à l'huile, au feu, au vinaigre. My code. Je pense qu'on va acheter ça, ça a l'air d'être cool. Parce que je gagne 4 en défense si je lis bien le jeu. Ça, c'est pour gagner de la vie. Ça se mange en 2 fois. Ça en prend aussi. Hop. Salut. Hey, bienvenue à Swadin. Je ne peux pas me rappeler la dernière fois que j'ai vu une nouvelle tête par ici. Manly égale viril. Ah, bandana viril. Ah, c'est pour ça qu'ils disent qu'il y a des abdos avec. Ok. Tu n'as pas l'air d'un touriste. Est-ce que tu es là par toi-même? Osef, non? Ta vie. Ouais. Elle est un petit peu claustrophobe. Mais elle sait qu'il va y avoir plus de liberté prochainement, n'est-ce pas? Tant que j'ai cet espoir... Enfin, tant que nous avons cet espoir... On peut avancer jour après jour, voilà. Oh my god! Bon bah salut! Merci beaucoup. Alors on va mettre le bandana viril. Ah oui, Manly comme man. Ok. Ça change absolument rien. Ah oui, on a toujours les spider donuts. Je sais même plus ce que je portais en fait. Ah, je sais pas. Grincer des dents. Qu'est-ce que j'avais en défense? Un morceau de bonhomme de neige, non? C'était ça, je crois. Voilà. Hop. On va à l'auberge. Bienvenue. 80. Est-ce que j'ai gardé assez de monnaie au moins? J'ai assez de monnaie, mais bon. Les items équipés ne sont pas visibles. Tu peux stocker le ruban. What the fuck? Je l'ai plus le ruban. Il est sur moi le ruban là. Ou alors j'ai pas compris le message. Ah c'est ça. Pardon. Ah, ok. Autant pour moi. Hop, mais alors le stick, ça c'est quoi? Je sais plus moi. Le stick c'est de l'attaque ou c'est pas de la bouffe quand même? On s'en va l'enlever. Ça sert à quoi de dormir dans les hôtels? Bah ça coûte tellement cher que je pense qu'il y a une utilité quand même. 45 HP. Ouais mais comme je tue aucun monstre, j'ai 0 XP quoi. On va le mettre de côté, je sais pas si c'est un New Game Plus ou si ça recommence à zéro. Ah, te faire pigeonner. Ah mais j'ai envie de tester quand même, hein. J'ai la monnaie pour. On peut pas aller voir... lui là. Maman a dit que dormir te permet de tout récupérer. Je sais pas. Apparemment, ça veut dire quoi, que j'en récupère plus que mon total? J'ai pas compris. Ah je peux pas remonter. Bah, j'ai pas utilisé 80 pour rien, mais bon, j'ai envie de tester quand même. Comme ça, on saura ce que ça fait. Oh, il y a les 3 petits lapins, on va dire. Entendez-les ronfler. Salut tout le monde, salut à toi. Ils ronflent fort quand même. Et longtemps.
Alors, on dirait que tu as eu une bonne nuit. Ce qui est étrange, vu que tu as dormi que 2 minutes. Il me rend ma monnaie? What? Il me rend mon argent. On ne peut pas... Attends. Tu peux me payer si tu restes toute la nuit. What? Donc c'est gratos en fait. What the fuck? Donc ça c'est sûrement encore un petit tacle par rapport au RPG où la nuit se passe en 2 secondes. Tu payes une fortune pour dormir. Alors, ne veut pas marcher de l'autre côté de la ville. Essaye les tunnels sous la neige. Bon. Et mes PV, j'en ai 32 sur 24, hein, c'est ça. Donc, ce qui est plutôt pas mal. C'est pas mon petit Cinnamon le plus mignon. C'est adorable. Ya. Ah, les ados ont tourmenté un petit monstre. Ça, on l'a croisé, on l'a sauvé. Aïe, aïe, aïe. Et du coup, je sais pas si je peux continuer à pied ou je sais pas. Yo. Tu es un enfant aussi, n'est-ce pas? Je peux te le dire parce que tu portes un truc déchiré. Mais du coup, c'est gratos, c'est ça qui est cool. Alors, cette fille par là. Quelque chose à propos d'elle me perturbe. On va passer par en haut. Cette ville n'a pas de mer. Mais s'il y a un problème, un squelette. Will tell a fish? C'est une expression sûrement, mais je ne la comprends pas. Un t-shirt rayé. Merci, Mamadou. J'ai du mal avec certains mots. T'as le fish, lady about it. Je sais pas. Traduit mot à mot, ça veut dire un squelette va dire à la... un poisson femme à propos de ça. Ça n'a pas de sens. Grilby. Ah, il y a tout le monde. Quoique lui, on l'a pas croisé, lui, si. Je vous laisse traduire par vous-même. Ah, le jukebox est cassé. Ça non plus, on l'a pas croisé ce machin. Peu importe où je vais, c'est le même menu, les mêmes gens. À l'aide. Je veux boire de nouvelles choses. Je suppose que le barman est en quelque sorte chaud. C'est marrant, parce que c'est un homme flamme. Il en parle à une femme poisson. Pour l'instant, femme poisson, je vois pas ce que c'est. Alors, on a Shipper. Je pense à... Il pense à se mettre un truc. Pour montrer sa personnalité. Salut Charlie. Ah, oh là là. Ça fait... Ah, ça fait du genre... Voilà. C'est pour faire genre. Ferait mieux de regarder où tu t'assois. Un collier avec des pics. Merci, Charles. Tu ferais mieux de faire attention où tu t'assois parce que ce gros gars va te sauter dessus et va te donner beaucoup d'amour et d'attention. Aucun respect. Ils ont aucun respect de la part des autres. On aime les os. Hein, le monstre à droite avec les grosses dents, mais il est dégueulasse. Il ressemble à rien. Ah non, hein! Ah. D'accord. Il joue au poker contre lui-même. Et on dirait qu'il est en train de perdre. Ça parle de poisson dans la mer. Je le prends au sérieux. D'accord, et le barman show.
Donc Grilbs dit qu'il offrira, qu'il t'offrira un fer, un, qu'il t'offrira un verre d'eau, mais il ne le touche pas. Je comprends pas tout, mot à mot. Salut. Trop grosse écharpe, madame. Tout le monde est toujours en train de rire et faire des blagues. Pour oublier notre nouvelle crise. Ouais, le manque de soleil, etc. J'aimerais les rejoindre, mais je ne suis pas drôle. Alors, on sait tous que les souterrains ont des problèmes. Mais on sourit quoi qu'il en soit. Pourquoi ? Parce qu'on ne peut rien faire. Donc pourquoi être morose ? Pourquoi être triste à propos de ça ? Salut. Alors, je sais pas... Il y a les tunnels, là je suis en train de me balader vers une librairie. Bienvenue à la librairie. Oui, on sait. Ah, il y a... De quoi ? Ah, libre... Oui, il y a une faute. Libre Arbi, j'avais même pas fait gaffe. J'aime travailler... C'est quoi les newspapers ? Les journaux ? Je sais pas. Est-ce qu'on peut monter ? Amour, espoir, compassion. C'est ce dont sont faits les âmes des monstres. Quand j'étais plus jeune, mes profs... D'accord. Je pensais que c'était une perte de temps. Mais regarde-moi maintenant. Je suis... La numéro 1, la chercheuse numéro 1 des mots dans le monde. Oh, la traduction! Pour quand le coiffeur? Je sais pas. Donc c'est bien, vous êtes 4 à me confirmer que c'est bien les journaux. Merci. Alors, dans mes yeux, qu'est-ce qu'il y a dans mes yeux? Tu es quelqu'un... qui a résolu difficilement le Junior Jumble, n'est-ce pas? T'as qu'à dire que je suis débile. Du coup, boîte aux lettres pleine. Ouais. Et donc? Papyrus. On va regarder dedans. Ouais, on est des thugs. C'est vide. Mais j'ai pas envie d'aller chez eux, là. Pas encore. Je sais pas. J'ai peur de louper des trucs, de faire ce qu'il faut pas. C'est fermé de l'intérieur. Et si je vais là? Oh, magie, magie! Téléportation. Alors, on va faire une sauvegarde, du coup. Hey! D'accord. J'ai bloqué, je sais pas pourquoi. Non, mais stop. 2-0 pour la France. Quoi? Sérieusement? C'est un arbre bien décoré. Les cadeaux... Certains des cadeaux sont adressés... Attends, non, hein? Les cadeaux sont adressés de Père Noël. Enfin, oui, c'est des cadeaux du Père Noël. Ok, apprendre à mettre les mots dans le bon sens. Merci. Il n'y a rien à louper, vas-y. Oui, mais il y a la maison, il y a tout à droite, il y a ici. Laisse... Enfin, jouons à Monstre Humain. Ah. Être jeune à nouveau. D'accord. Oula! Qu'est-ce qu'il fait, lui? Eh, mon gars. En tout cas, il a de sacrés bras. Allô? Hello? Est-ce que je peux parler tout... attends un instant. Est-ce que c'est un mauvais numéro? La musique du mauvais numéro? What the fuck? Ça n'a pas de sens. Ils auraient pu faire un tapis roulant plus long. Oui, Charlie. Mais le loup n'aurait servi à rien dans ce cas-là. Alors, nous sommes vraiment très désolés.
la musique du faux numéro. Nous sommes très très désolés. Ah, tu vas pas faire ça 3 ans, merci. D'accord, tout ça pour ça. Et Toriel, si on l'appelle, il se passe quoi? Personne répond. Toriel répond même pas, non. Ah. Quel joli frappé de porte. Peut-être que s'ils ne répondent pas... What? Ah, ma patience m'a récompensé. Ah. 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 Il se passe rien. Bon. Faut peut-être faire ça... très longtemps, je ne sais pas. Tu veux pas jouer à l'humain. Rendez-vous dans une demi-heure. I don't know. Je ne sais pas. Bon, bah, on va aller voir dans la maison alors. La belle maison tout à droite. Ouais. C'est fermé. Oh, il n'y a rien à voir en même temps. Très bien. Ah, on voit les glaçons derrière.